Salut les amis, je suis actuellement au Taman Negara. C'est une jungle tropicale qui est au cœur de la Malaisie, qui est au centre de la Malaisie et qui fait plus de 4000 km². Autant dire que c'est immense. C'est aussi une réserve naturelle qu'on peut explorer et donc je suis là une petite semaine pour voir tout ça. J'ai réservé 2 jours d'excursion avec un guide. On est un petit groupe, essentiellement des Français, donc ça va être cool. Et donc c'est un endroit super sauvage, on peut trouver plein d'animaux comme des tigres, des serpents. Des tapirs, des éléphants. J'espère que je vais voir quelque chose, mais apparemment c'est extrêmement rare de croiser ces animaux parce qu'ils s'écartent le plus possible de l'homme. Je pense qu'ils connaissent un peu les endroits, les petits sentiers fréquentés par les humains, ils essaient de les éviter. Poulal. 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 Oh, scientific name Aftonia angustuloba. Normally, orang asli they use root for make arrow. Last part of arrow, that for sabakan. You know sabakan? Yeah. The arrow, the that last part of arrow they use poulal root because poulal root really light, like a polystyrene to bury the arrow. For orang asli, they make fire. Berarti the under family of the trokat. The trokat they have almost 100 different species. Only the trokat family. Before we also make it boat from this wood. To join two part of wood where we make it boat, we use resin. You see this? This one you can use like a super glue. Smell. Ah ouais. Oh. Oh. Le bois? Ouais, ça sent pas mauvais, ça sent pas le bon. Oh, bruit. Yeah. Mm. Ah oui. Ouais. It's like amber. Mm. Yeah, amber. Un petit village abandonné depuis 2 mois. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on est arrivé. Dans la forêt, qu'on se balade. Aujourd'hui, on va faire 10 km. Et donc, pour l'instant, on n'a pas vu d'animaux, mais beaucoup de plantes. Le guide nous a fait voir toutes les plantes qu'il fallait éviter. Il y a beaucoup de plantes avec des pics, donc sur les feuilles, les tiges, les troncs. Et puis, il nous a fait voir aussi les arbres utilisés autrefois pour faire du feu, pour faire des joints de bateaux, pour faire des flèches. Donc voilà, je pense qu'il va nous faire voir encore d'autres plantes. Ça, c'est un arbre pour faire du poison. Et en fait, comme des cons, nous deux, on vient de le... De toucher, on n'a pas compris. Parce que le guide, il a la perpète devant, on a les infos en retard. Because tomate like this. Because elephant no hand. Donc la trace là qu'il vient de voir sur l'arbre, c'est une trace d'éléphant, une trace de passage d'éléphant parce que on voit l'arrondi du corps de l'éléphant. On peut le deviner. Les amis, c'était une ruche. Ce qui est marrant, c'est que là on s'enfonce dans la jungle, on s'écarte de la rivière et la flore devient différente. Tout est, je sais pas, les plantes elles sont pas pareilles, les arbres sont plus grands. Regardez celui-là, je sais pas combien de mètres il fait, mais il est géant. Donc, j'ai vu tout à l'heure sur internet avant d'arriver. Ah, sa mère! Ah, je me suis fait éclater par une feuille. Regardez, c'est des mini hameçons. La tige aussi. Enfin, je saigne. Je disais, je regardais tout à l'heure sur internet les animaux qu'on est susceptible de croiser ici. Alors, il y a des éléphants, il y a des tigres,
et des rhinocéros, des singes, des tapirs et plein d'autres choses. Mais honnêtement, je pense qu'on va rien voir pour trois raisons. Déjà, il y a le facteur chance. Enfin, il faut déjà pouvoir rencontrer l'animal. C'est rare, je pense, d'en croiser parce que c'est une très très grande jungle. Et je pense que les animaux connaissent les endroits où il y a du passage d'humains. Ils traînent pas trop ici. Deuxièmement, bah c'est ça en fait, c'est que regardez, tout est balisé en fait. Tout est balisé. Les animaux, ils sont pas cons. Ils savent qu'il y a des humains. Ils aiment pas les humains. Pourquoi ils traîneraient là? Et troisièmement, on fait beaucoup trop de bruit. Donc là, je parle, je fais du bruit. Depuis tout à l'heure, j'essaie de justement de rester silencieux. Mais je suis avec un groupe de personnes qui adorent parler. Alors, je reproche absolument pas aux gens de parler. Hein. C'est juste qu'on a moins de chance de voir d'animaux, c'est tout. On se rend mieux compte de la taille avec toi à côté. Il est gigantesque. Dis que je fais 3 mètres de haut. Là, personne va te croire. Ah. Mais on dirait que c'est genre 50 arbres qui se sont réunis. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Là, on sent qu'il fait plus frais, là. Dès qu'il y a des gros rochers comme ça. Dans la région de mes ports. J'entends des bruits partout, mais je ne vois rien. Fond de la grotte et il y a une plante qui pousse là. C'est incroyable, elle est tellement verte. Comment elle fait? Elle se nourrit de la lumière qui vient de là. Ça lui suffit. C'est la seule plante qu'il y a dans la grotte. De pas s'inquiéter pour les restants parce qu'il y a son frère qui va arriver et on n'arrêtait pas de lui demander qui c'était son frère, on comprenait pas. On vient de comprendre. Il n'est pas sauvage. Hein. Il n'est pas sauvage, il s'approche bien. On a décidé de faire une petite balade nocturne. Peut-être qu'on va voir d'autres animaux. D'autres types d'animaux. Oh, what the... Wow. Tu mets ta main à côté. Elles sont gigantesques. Thank you.
What? Ah yes, yes, holy. J'ai bien dormi dans la grotte. C'est la seule place qui n'est pas hostile en fait autour de nous. Puis on a l'abri, des animaux, du climat. Il fait frais. On peut faire un feu. C'est convivial, franchement. Tu vois, je pensais pas qu'on dormait aussi bien dans une grotte. Puis le guide s'est bien occupé de nous. Il a mis des feux tout autour de nous pour nous protéger contre les animaux. Les animaux aiment pas le feu, même les insectes. Pendant tout le temps, les feux, les bougies continuaient à se consumer. Il n'y a pas d'animaux. Par contre, la bougie qui me protégeait, en fait, elle s'est éteinte pendant la nuit. J'ai commencé à sentir des bêtes qui me grimpent dessus. Je vous avoue que j'étais pas très rassuré, quoi. Je me suis emmitouflé dans mon sac de couchage. J'ai laissé un trou juste pour respirer. Puis après, ça a été... Il y a un oiseau qui est en train de chanter. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est très musical ce qu'il fait. Ça pourrait clairement être les notes d'une musique. Il a voulu un rouleau de PQ. T'es un ouf, frère. Qu'est-ce que tu fais avec ça ?